Iris! Regarde l'horloge que j'ai trouvée dans les poubelles! Pas une horloge avec des chants d'oiseaux à chaque heure. Oui! Écoute ça! Wow! Voyons, pourquoi jeter une si belle horloge? Iris, savais-tu que pendant très longtemps, il n'y avait pas d'horloge, pas de montre, pas de réveil matin? Les gens se fiaient au soleil pour avoir l'heure. Excuse-moi, as-tu l'heure? 5h15! Avec le temps, les gens ont développé des méthodes de plus en plus sophistiquées pour être à l'heure. Ciel, mon crapaud de poche sonne les 12 coups de minuit. Je dois partir, mon prince. Oh, t'avais ça dans la poche pendant qu'on dansait. Wesh! En Suisse, au 19e siècle, les femmes portent des horloges coucou directement intégrées à leur coiffure. C'était tellement élégant! Élégant, mais dangereux. Comment ça? Agnoy! Il y a tellement de sortes d'horloges. Moi, je pensais qu'il y en avait juste trois. Les horloges grand-père. Ding-dong! Les horloges ma-tante. Ding-dong! Puis les horloges mononcle. Ding-dong! T'en pointes-tu? Voyons, Iris, tu dois au moins connaître l'horloge Big Ben. Ben qui? Ben, Big Ben, là! C'est le surnom de la grosse cloche de 13 tonnes au sommet de la Tour Élisabeth à Londres, ça te dit rien? Non. Mais il y a aussi Little Ben, le connais-tu? Non. Little Ben, c'est le surnom d'une petite réplique de Big Ben au centre de Londres, ça te dit rien non plus? Non. Il y a aussi Mini Ben. C'est le surnom de la mini-mini réplique de Big Ben que j'ai dans ma chambre. Elle, elle sonne quand c'est l'heure de nourrir mes chats. C'est cool, hein? Non. Caton, j'ai la solution à notre problème d'horloge. Ah? Je t'ai trouvé une horloge qui sonne encore mieux. Check ça. À chaque heure, il y a la sonnerie d'un champignon différent. Mais ça fait pas de son, un champignon. Ben, c'est ça. OK, ben, je pense qu'on a fait le tour. Puis, oubliez pas, croyez pas tout ce qu'on vous dit.